Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous enchaînons un peu sur l'ensemble des séquences qu'on est en train de traiter sur le programme terminal partie numérique. Nous allons faire un saut pour au niveau on aura à rebondir sur la logique combinatoire et traiter d'un cas applicatif qui est intéressant, c'est les comparateurs numériques. Donc un comparateur numérique, rien de plus simple. Vous avez un nombre A et un nombre B. Il va falloir trouver la relation entre les deux, éventuellement une égalité ou une inégalité dans les deux sens. Donc, comment trouver un circuit logique? Donc, qui dit circuit logique, donc fonction réduite ou fonction logique non simplifiée, qui va permettre de traduire cette inégalité-là. Donc, pour ce faire, on aura un petit focus sur deux composants électronique qu'on avait déjà abordé, c'est le XOR et le mXOR, tout simplement son inverse. Donc la table de vérité, c'est tout simplement pour ceux qui le connaissent sous le nom du OU exclusive. Et le non-OU exclusive. Alors, côté symbole, en notation française, ça fait, vous avez deux entrées A et B, vous avez une sortie. Pour le XOR et puis pour le NXOR, bah, il faudrait juste avoir une porte qui va inverser à la fin. Et vous avez votre sortie S. En matière de table de vérité, c'est assez simple. On va dire que vous avez principalement deux entrées A et B. On essaie de dresser la table de vérité du XOR et du NXOR. Donc pour quatre possibilités, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1. Potentiellement, un OU exclusif, différemment d'un OU, il ne traite pas de l'égalité 1-1. Et donc, ceci dit, que je dis éventuellement que la fonction est égale à 1, tout simplement quand un des deux termes est égal à 1, l'égalité, enfin, la combinaison où les deux sont égales à 1, on la traite égale à 0. Donc, inversement, ça va être 1, 1, 0. 0. Donc, pour réaliser des compteurs numériques, on va se baser sur la logique du XOR et du NXOR pour finalement décliner deux propriétés. C'est-à-dire que pour comparer A et B, je sais que A égale à B quand A égale à 0 et B égale à 0 et quand A égale à 1 et B égale à 1. Ça tombe bien parce que finalement, quand j'utilise des NXOR, je peux décliner que la propriété d'égalité est assurée quand éventuellement, dans l'intégrité des cas possibles, sur deux bits, quand éventuellement, là ça rend un peu l'âme, quand éventuellement j'utilise un XOR, donc l'égalité est assurée. Je peux au mieux exprimer l'inégalité. Donc, dans le cas de figure 0,1, je sais que B est supérieur à A. Dans le cas de figure où A égale à 1 et B égale à 0, je sais que A est supérieur à 0. Donc, dans un cas général d'inégalité, je peux dire que le XOR l'exprime mieux. Donc, on exprime et l'inégalité et l'égalité moyennant ces deux portes logiques. On va chercher un stylo. Alors, l'idée en fait derrière, c'est de se dire que moyennant ces deux portes-là qui éventuellement arrivent à exprimer ce qu'on recherche, à trouver une égalité ou une inégalité pour construire notre comparateur numérique, comment je pourrais comparer deux nombres dans un contexte beaucoup plus large. Quand mon A par exemple est composé est sur par exemple 2 bits et mon B éventuellement est sur 2 bits, comment je pourrais comparer A et B? Donc très simplement, je vais décliner A sur 2 bits, on va nommer A0 le premier, enfin le bit de poids le plus faible, A1 le bit de poids le plus fort, pareil pour B, B1 et B0.
Et on essaiera d'inférer la logique qui éventuellement se reconcentre sur la comparaison d'un seul bit à comparer 2 bits, 3 bits, 4 bits et 1 bit. Voilà. Alors, première partie du cours, c'est de décliner le principe d'égalité éventuellement entre deux nombres ou deux mots qui sont sur une longueur de 4 bits. Donc, on va effacer. Donc, vous avez deux nombres A et B qui sont sur 4 bits. Donc, finalement, c'est des nombres qui vont être déclinés de x0 jusqu'à x3. Donc, sur la partie de 1 principe, ça vous permettra de compléter le cours. Hein. Donc, vous avez la comparaison. On cherche à retrouver l'égalité ou exprimer l'égalité de A égale à B. Quand est-ce que mon A égale à B? J'ai un A et un B qui sont sur 4 bits. Donc finalement, je pourrais dire que mon A c'est A3, A2, A1, A0. Et mon B c'est B3, B2, B1, B0. Je suis d'accord? Alors, je sais. Bon, j'aurais pu laisser quelque part, hein. Donc je vais peut-être remettre le schéma ici. Vous avez, alors là je mettrai le XOR, hein. A XOR B, donc A XOR B, et inversement vous l'aurez compris, N XOR c'est A XOR B, le tout bas, vous avez A, vous avez B, vous avez 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. On s'est dit que pour exprimer au mieux l'inégalité, on se recentre sur le XOR avec ces deux combinaisons-là. Donc on est sur l'inégalité. Et quand on souhaite au mieux exprimer l'égalité, on est beaucoup plus recentré sur le XOR parce que c'est le mieux qui l'exprime. Voilà, on garde ça quelque part. Donc, je recontextualise, j'ai deux mots, deux chiffres, deux nombres qui sont sur 4 bits, je souhaite faire la comparaison. Donc, intuitivement, pour comparer, je vais devoir comparer A0, A3 à B3, A2 à B2, A1 à B1 et A0 à B0. Donc, chaque résultat là, c'est tout simplement réitéré au niveau de la table. Quand je compare A3 à B3, je me réfère à la comparaison de 1 bit par un autre bit. Les 4 cas possibles sont dressés au niveau de ces tables-là. Donc, pour que éventuellement je construise un comparateur numérique qui traite de l'égalité, va falloir que intuitivement, mon A3 égale à mon B3, que mon A2 soit égal à mon B2, que mon A1 soit égal à mon B1 et que A0 soit égal à B0 pour finalement dire que mon A égale à mon B. On est bien d'accord. Donc, pour retrouver cette égalité-là et pour exprimer l'égalité moyen mon XOR, va falloir que je reprends toutes ces entrées-là. Donc, c'est une comparaison par paire. Hein. Donc, au mieux, je mettrai. Alors, je mettrai. Donc, on s'est dit qu'on va se concentrer sur l'XOR. Donc, je mettrai A3, B3. Je mettrai A2, B2. Je mettrai A1, B1. Et puis A0, B0. Ok ? Donc, finalement, quand j'aurai à comparer A0, A3, B3. Je dis que A égale à B, si A3 égale à B3 et tout le reste, donc je dirais éventuellement que A3 et B3 vérifient une égalité. Donc pour vérifier une égalité, on s'est dit qu'on est centré beaucoup plus sur du XOR. Donc voilà, ça va être pareil.
ensemble, parce que c'est le NXOR qui exprime l'égalité entre les composants. Donc là, je dis que finalement, si toutes ces portes logiques-là me renvoient à 1 en sortie, je suis dans quel cas de figure? Je suis soit sûr du 0,0, soit sûr du 0, du 1,1. Mais plus généralement, je suis sur AI égale à BI, quel que soit mon I, c'est-à-dire quel que soit mon I appartenant à l'intervalle des entiers 3 à 0. 0 à 3. Ok? Donc finalement, j'ai vérifié cette hypothèse, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette hypothèse-là est conditionnée aussi. Hein, parce que pour que j'ai une égalité générale sur 4 bits, va falloir que mon A3 égale à B3 et mon A2 égale à B2 et mon A1 égale à B1 et mon A0 égale à B0. Vous l'aurez compris, on va tout généraliser au niveau d'une porte E. Tac. Et donc là, finalement, j'aurai une sortie. S sera égal à 1 quand A égale à B, et donc sur une itération plus fine quand j'aurai toutes ces hypothèses qui seront vérifiées. Je peux vérifier, donc on va prendre un cas d'exemple hein, et on va itérer au niveau de notre circuit pour voir la résultante de cette combinaison-là. Moyennant ce circuit logique-là, il est vérifié. Hein, si vous pouvez vous amuser à vérifier pour l'ensemble des possibilités, mais nous, on va vérifier un peu à degrés, si vous voulez. Je note mon A égale à 1, 1, 0, 1 et mon B égale à 1, 1, 0, 1. D'accord ? Donc là, j'ai un cas d'égalité que je veux vérifier. Donc pour cette itération là, finalement mon A3 est là, celui-là il marque le nœud, donc A0, donc j'enlève tous les autres. Ok, donc finalement j'ai 1, 1, 0, 1 en entrée et puis 1, 1, 0, 1. 1, 1 avec un manque XOR, vous êtes là, ça ressort un 1. 1, 1, ça ressort un 1. 0, 0 en NXOR, ça ressort un 1. 1, 1, 1. Vous avez 1 et 1 et 1 et 1. Donc vous êtes sur S égale à 1, donc B égale à 1. Et donc finalement, ça vérifie la propriété d'égalité entre deux mots de 4 bits. Maintenant, on va prendre un contre-exemple. On va prendre A égale à 0, 0, 0, 1. B égale 1, 0, 0, 1. Donc finalement, si j'aurais à corriger mes entrées, tac. Hop. Donc on a 0, 0, 0, puis 1. Et là, vous aurez alors 1, 0, 0 et 1. Ok. Donc 0, 1 avec un NXOR, vous êtes sur cette combinaison-là, vous avez une sortie qui est égale à 0. Vous pouvez déjà vous arrêter à ce niveau-là parce que 0 avec un E, ça biaise tout le reste, vous avez S égale à 0. Pas besoin de continuer. Mais on fait quand même, vous avez un NXOR, là vous avez une sortie qui est égale à 1, une sortie qui est égale à 1, et puis là vous avez une sortie qui est égale à 1. Mais ça reste quand même que 0 et 1 et 1 et 1, donc ça vous fait S égale à 0. Et donc finalement, ce circuit qui vous dit, qui répond à la question si S égale à 1, égalité, vérifier, sinon S égale à 0, on est sur le cas d'une inégalité, et répond très bien au besoin, peu importe, vous pouvez inférer autant de fois que vous souhaitez avec des portes NXOR pour éventuellement arriver à la longueur du mot ou du nombre que vous souhaitez. Voilà. Donc, là, finalement, on a réalisé un comparateur numérique en s'appuyant sur la force d'expressivité du NXOR pour exprimer l'égalité.
Et vu que le concept égalité-inégalité est un concept binaire, c'est-à-dire si j'ai une égalité, j'ai forcément une inégalité entre A et B, une non-inégalité entre A et B. Si j'ai une inégalité, j'ai forcément une non-égalité entre A et B, c'est-à-dire c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas être égal et non égal en même temps. C'est très bien parce que on peut éventuellement représenter ce concept-là autrement, en moyennant l'inégalité, c'est-à-dire par le biais de Porte-Xor. C'est ce qu'on fera dans le prochain exercice ou application. Et là, vous allez reprendre sur la partie 2-2, sur votre support de cours. Donc, c'est la partie variante utilisant des portes ou exclusives. Bon, vous l'aurez compris, ça va prendre un peu de temps pour que je puisse effacer l'ensemble. Utilisant les portes XOR. C'est le même exemple, un comparateur numérique qui permettra d'exprimer l'égalité et l'inégalité tout simplement, mais cette fois en moyennant les portes XOR. Donc, finalement, on sait que. On va aller, bon, intuitivement, de la même manière, on mettra des portes XOR parce que c'est une obligation. On prendra la même longueur A et B sur 4 bits chacun. Vous l'aurez compris, A0, B0 égale à 1. Bon, là, c'est 3. A2, B2 égale à 1, B1. Et là, vous avez A0, B0. Tac. Donc là, vu que c'est une obligation, on place déjà sur la longueur demandée les portes XOR et puis on se pose la question. Donc là, j'ai envie que finalement, j'arrive à avoir comment dirais-je, une inégalité ou une égalité. De toute façon, ça vérifie les deux concepts. Donc, je vais lier tout ça par rapport à l'hypothèse que j'ai exprimée tout à l'heure à une porte. Non. Donc, je vais vérifier. Je prends un exemple d'égalité que je souhaite vérifier. Je prendrai donc A égale à 1, 1, 1, 1, B égale à 1, 1, 1, 1, donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, vous l'aurez compris. Ensuite, donc là finalement je dis que S, quand S égale à 1, c'est quel concept que je vérifie? Donc j'ai 1, 1, donc 1, 1, je suis avec des portes XOR, j'ai 0 en sortie, 0, 0, 0 et 0. Donc finalement, c'est 0 ou 0 ou 0 ou 0. Donc c'est 0, mais 0 en négatif, ça vous fait 1. Donc finalement, l'égalité est vérifiée quand j'ai S égale à 1, donc j'ai A égale à B, donc le concept d'égalité moyennant des portes XOR. Vous l'aurez compris, quand S égale à 0, et bien forcément, j'ai A différent de B, et donc le concept complémentaire, l'inégalité. Maintenant, on fera le contre-exemple pour éventuellement vérifier si mon système assure l'inégalité. J'aurai A, on va mettre 0, 0, 0, 1, et B, on gardera 1, 1, 1, facilité. Donc finalement, j'aurai à corriger à ce niveau-là. Donc là, c'est 0, là, c'est 0, là, c'est 0. 0, 0, 0, 0. Je vérifie
en sortie. Tac. Donc là, 1, 1, finalement, c'est 0. 0, 1, on est sur la deuxième combi, donc on a 1. Là, vous avez 0, 1, encore une fois, donc 1 et 1. Donc 1 ou 1 ou 1, ça vous fait 1. Donc 1 bar, ça vous fait 0. Et vous êtes dans le cas d'une inégalité. Donc finalement, A est différent de B quand S égale à 0. On aurait complété le cours sur la page 1.4. Là, ce qu'on aura à faire, c'est plutôt... Donc là, le concept, il est assez simple. Vous avez des portes XOR, vous avez des portes mXOR. Vous essayez de réaliser des comparateurs numériques moyennant éventuellement la propriété, les propriétés de comparaison qu'on puisse avoir au niveau des portes mXOR, XOR. Alors, un cas applicatif très intéressant. Alors, ces compteurs numériques-là qu'on vient d'aborder traitent que de l'égalité et de l'inégalité. Je précise. Mais l'inégalité, éventuellement, peut être dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire là, on exprime égal, et là, on exprime supérieur strict ou inférieur strict. Mais on ne réalise pas une différence entre les deux. D'accord? Ce qui, potentiellement, peut être handicapant. Donc, maintenant, on essaie de raffiner cette propriété d'inégalité et donc on essaie de réaliser des comparateurs numériques qui puissent faire la différence entre A et B quand, quand A est supérieur à B et quand B est supérieur à A. Donc, va falloir en fait faire une différence. Donc, on va encore raffiner en trouvant une manière de réorganiser notre circuit logique pour éventuellement arriver à exprimer le supérieur strict et l'inférieur strict indépendamment voilà, des entrées. C'est ce qu'on fait au niveau de la deuxième page. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être lister, je vais peut-être effacer tout ça, lister, puis je reviens vers vous.